La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. I had a wonderful week. Let me start by sharing greetings for my wife and my son. Unfortunately, they could not be with me today, for the week, but I'm bringing their greetings. During the week, we had the opportunity to study the lives of three great men, men that the Lord has decided that to single out for the simple fact that these guys, they were outstanding in their generation. Why were they so outstanding? It was because of their devotion to the Lord. So we studied the lives of Noah, Daniel, and Job. Noah was outstanding because of his devotion during a time of great apostasy. Daniel was outstanding because he was expressing his faith in the Lord in a context of religious pluralism. And Job showed, he demonstrated his devotion amidst great evil and suffering. Some of you may be wondering, why am I only talking about men? Is there any outstanding women in the Bible? Donc, nous allons parler d'une dame. Une dame extraordinaire qui, lui-même tout, même gens avec Noé, Daniel et Job, que bon Dieu immortalisé dans Ézéchiel 14, nous allons parler d'une dame que Jésus-Christ l'a immortalisé. Et Jésus-Christ l'a présenté dame ça, qui t'apprend à faire l'objet de yon promesse et de yon prophétie en même temps. C'est une femme que renommée dame ça, à partir de paroles Jésus-Christ, Jésus-Christ t'apprend à le bailler dame ça, yon renommée internationale. Non seulement dame t'apprend à yon renommée internationale à partir de déclaration Jésus-Christ sur la ville, mais dame ça a tout. Li te gon frère à cause de ça qui t'est passé dans la vie frère ça dame ça t'a pral tourner en célébrité. De qui est-ce m'a parlé? Dame ça t'est gon frère qui t'est relé Lazare. Et lorsque nous pour nous-mêmes qui connaît épisode histoire Lazare, lorsque Lazare mourit, yo mette Lazare dans tombeau et Jésus-Christ tend 4 jours avant que il y aller sous place. Et lorsque Jésus-Christ crivait, Dieu dit Jésus, l'y sentit déjà. Et Jésus-Christ dit, roulez wash là. Et c'est ainsi que Lazare sortit. Mais ça qui est intéressant dans le texte, c'est que suite à la déclaration que Jésus fait, la Bible dit nous que le monde qui était là, ils prirent des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Ce qui fait que la vie Lazare t'a pral yon menace. Parce que à chaque fois on moun wè Lazare, ça rappelait la divinité de Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens, Lazare, c'était ennemi public numéro 1. Dame ça, que m'pral parle, non, li paraît dans tout l'évangile. Yo. Sauf, gen 2 évangiles qui décidaient que non, dame ça, yon pap citel. Particulièrement Marc et Jean. Je suspecte raison qui fait ou décider que vous ne pouvez pas citer nos dames ça. Parce que dames ça, tu as recevoir une promesse extraordinaire. Et dames ça, tu as faire l'objet d'une prophétie extraordinaire. Et je suppose que, en raison de l'humilité dames ça, il était voulu que Marc et Jean, peut-être, qu'un bénol dans l'anonymat. Mais cependant, lorsque Jean a écrit, puisque l'évangile Jean, c'est le dernier évangile, parce que Jean, c'est disciple qui mourit pita. Et pour le monde qui songe à l'histoire de Jésus, lorsque Jésus a parlé ensemble avec les disciples, il parle à Pierre particulièrement. Pierre dit Pierre, what if I want him to stay alive until I'm back? What is that to you? Et si je voulais, Jean était jusqu'à ce que je me tourne, est-ce que ça gardait?
Et depuis le sable, oui, en courir que disciple ça pas mourir. Et c'est ainsi que puisque Jean, c'est le dernier monde qui écrit l'évangile, et donc tu as le nom d'âme ça qui t'a paraître dans le livre de Jean. Mais c'est une dame qui a une humilité extraordinaire. Et me suspecte, c'est ça qui fait peut-être qu'il pas de que non, te paraître. Parce que même le texte a dit dans Proverbe 27, verset 2, il dit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips. Et lorsque vous lisez dans Luc 16, le verset 15, et il y a une parole extraordinaire qui dit, he said unto them, en parlant de Jésus, you are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart. What people value highly is detestable in the sight of God. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et donc, puisque dame ça t'est fait l'objet d'une promesse et d'une prophétie, ou bien l'impression que dame ça n'est pas de trop élevé parmi les hommes, et ceci par humilité. J'ai l'impression c'est comme si dame ça y a rapporté les paroles de Jean, qui a dit dans Jean 3, verset 30, he must become greater and I must become less. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, lorsque nous approchons la vie d'âme, ça, qui t'a pral fait l'objet de toute belle bagaille, ça, de toute prophétie, ça, qui t'a pral prononcé dans la ville, et donc, l'important pour que nous soyons capables d'étudier la vie de cette dame, parce que louange d'âme, ça, elle pas sorti dans le monde, mais elle sorti dans bon Dieu personnellement. Et c'est ainsi que lorsque vous lisez sous dame, ça, dans Matthieu, dans Marc, il y aurait une femme, il n'y a pas cité non. Mais cependant, Jean, tu as cité le nom de cette femme. Et c'est justement la vie femme ça que nous avons étudié avec nous matin. Lorsque nous avons réfléchi sur comment nous avons besoin de conquérir le futur en toute confiance. Et si ça m'invite nous à lire ensemble avec moi dans Jean chapitre 12, les versets 1 à 3. Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then, Mary, that's the name of the lady, Mary took a pin of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. In the house was filled with the fragrance of the perfume. Ça que nous allons étudier sous dame ça, nous allons essayer de comprendre comment dans la vie dame ça, comment dévotion dame ça te permet d'être capable de conquérir le futur avec confiance. Et donc lorsque nous allons étudier dame ça, nous allons aller en retour, chercher à entrer dans la Bible, sortir dans la Bible, entrer dans la Bible. Nous allons regarder tout texte côté au cité dame ça, que c'est dans Matthieu, que c'est dans Marc, que c'est dans Jean. Lorsque nous avons l'histoire d'âme, ça m'a invité à lire l'histoire ensemble avec moi dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Et c'est là que nous avons commencé avec l'histoire d'âme. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar, very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it in preparation for my burial. Truly, I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in a memory of her. Let me repeat the last verse. Truly, I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done
will also be told in memory of her. Texte a commencé pour dire nous que Jésus li allé la caille Simon le lépreux. La Bible papa nous empile explication sur Simon le lépreux. Nous pas connaît ce que Simon le lépreux ça c'est lorsque Jésus était guéri 10 lépreux, il dit au al montrer nous bail sacrificateur parce que c'était coutume là alors lorsque on impur et que on fait l'objet d'une guérison de lèpre, sacrificateur a besoin attester effectivement que on guéri. Et lorsque 10 lépreux ça au praler ouais que on guéri, gen youn na yo qui tourner sous parle et qui a le côté Jésus pour dire Jésus merci. Est-ce que c'est Simon le lépreux ça? Nous pas connaît. Gen l'autre lépreux que la Bible raconte nos histoires, lorsque Jésus a marché et puis monsieur tombé dans pied Jésus, monsieur dit Jésus, if you are willing, you can make me clean. Et là ça Jésus répond ni I am willing, be clean. Est-ce que c'est de Simon le lépreux ça? Nous pas connaît. Mais ça que nous connaissons de Simon le lépreux, c'est que Simon, c'était un lépreux qui t'a fait l'objet d'une guérison de la part de Jésus et qui t'a offri un sacrifice d'action de grâce sous forme d'un dîner. C'est tout ça que nous connaissons sous Simon le lépreux. Mais cependant, la Bible dit nous que c'était à Béthanie. Qui ça que nous connaissons sous Béthanie? À chaque fois que la Bible a parlé de Béthanie, nous trouvons Jésus la caille famille ça. Lazare, Marthe et Marie. À chaque fois que Jésus Béthanie, c'est même j'étais capable de dire que moi-même chaque temps gouinette, on retrouver la caille maman. C'est même bagaille pour Jésus-Christ. Automatiquement Jésus-Christ Béthanie, on venir la caille famille ça pour dîner. Cependant, dîner ça qui t'a fait en l'honneur de Jésus, c'est un dîner spécial. Parce que dîner ça a fait et dans 6 jours plus tard, Jésus-Christ a pral arrêté et donc mercredi, Jésus-Christ a pral mis à mort. Et donc c'est un dîner tout à fait spécial en l'honneur de Jésus-Christ. Mais pendant dîner ça, si nous songez bien, Jésus-Christ souvent l'a rapporté à disciples le fait que le bral mourir. Mais cependant pièce disciples pas jamais voulait croire ça. Pièce n'a pas jamais arrivé comprendre ça. Mais cependant pendant dîner ça, dame ça lui-même dit après si vous voulez montrer que le bon certaine illumination de ça qui t'a pas arrivé sous Jésus-Christ en sorte que geste t'a pas le faire t'a pas le préparer Jésus tant comme t'a dit pour funérailles dans un certain sens et c'est ainsi que geste ça que dame ça t'a pas le faire c'est un geste qui fait dans perspective ça ça que nous voyons dans la vie de Marie de Béthanie c'est que Marie de Béthanie centre d'affection c'était la parole de Dieu. Centre d'affection Marie de Béthanie, c'était Jésus lui-même. Et lorsque m'a pensé à Marie de Béthanie, m'a pas empêché tête moi penser avec chance à qui dit when I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, to all the things that surround become shadows in the light of you. Quand je contemple ta sainteté et quand je regarde ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Et quand je découvre la joie de te chanter et de déposer ma vie à tes pieds, il n'y a que toi qui importe pour moi. Vous avez l'impression que chant ça, lui résume la vie Marie de Béthanie. Parce que le centre d'affection de Marie de Béthanie, c'était une personne. Le centre d'affection de Marie de Béthanie, c'était Jésus-Christ lui-même. Et chers amis, il n'est pas à supposer différent de moi-même envers vous. L'apôtre Pierre dit nous, si nous goûtons que le Seigneur est bon, approchez-nous de lui-même. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse pour Dieu. Et donc, nous avons une responsabilité ça pour nous approcher. Nous. Et c'est ainsi que dame ça, à cause du centre d'affection ça, à cause de sa dévotion à Dieu, à cause de son amour pour la parole de Dieu, dame ça, non, t'as pas fait l'objet d'une prophétie et d'une promesse de renommée internationale. Et ça qui est intéressant dans le texte, ça a tout. À chaque fois, chers amis, que nous prenons lire dans les Écritures et qu'il y a parlé nous, de Marie de Béthanie, ou de Marie de Béthanie dans une seule position. Assise
au pied du Seigneur. Quel que soit texte ou qu'elle lit sous la vie d'âme ça, ou a venu au pied de Jésus. Et donc, vous avez l'impression que c'est position ça que le gagne. Vous avez l'impression que c'est là que justement d'âme ça, t'es plus confortable. On nous lit deux textes pour montrer nous, pour illustrer position d'âme ça. Dans Luc 10, verset 38-39, et Jean 11, le verset 32. Dans Luc 10, 38-39, il dit: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Donc c'est position ça que Marie de Bethany t'a gagné au pied de Jésus. Jean 11 verset 32. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Donc vous avez l'impression d'âme ça, c'est dans position ça que elle était plus confortable et elle pas décidé pour le changer. Vous comprenez lorsque nous découvrions bagaille qui bon, vous ne pouvez pas changer position. Et bien, c'est Marie de Bethany. Marie de Bethany adopte position ça pour la ville au pied de Jésus. Parce que dans Jésus, les jeunes centres d'attraction. Dans Jésus, les jeunes tout ça que l'on a besoin. Monsieur Bernal de Consoeur, Marthe. Marthe est différent. Tout à fait normal parce que nous ne sommes pas même, nous différents. Cependant, Marthe, dans le tempérament, Marthe, son monde qui remet que l'agenda est toujours chargé. Marthe, par exemple, qui remet dans l'agenda. Et son monde qui est toujours occupé. Parce que il a un bon sens de responsabilité et ce qui est tout à fait normal. Donc nous voyons souvent Marthe qui a fait bon bagaille là, mais dans le moment, elle n'a pas dû faire là. Parce que c'est ça qui arrive. You're doing the right thing at the wrong time. Et c'est situation ça que Marthe souvent l'y retrouve. Et donc Marthe dit pas qu'à passer une minute sans le pas faire rien. Elle a agité le vainement. Et donc dans ce ça, Marthe l'y pas comprendre Marie. L'y pas comprendre Marie pour qui ça? La Bible dit nous que Marie l'y joint la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et c'est ça que nous allons lire. Mais invitez-nous à lire dans Jean, dans Luc 10. Verset 38 à 42. Moun qui habitue avec nous connaît n'a pas lu Bible en pile parce que nous venons pour ça. Nous voulons que c'est Bible pour parler non moi-même, n'est-ce pas? Ok, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman, Martha, opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha, listen carefully. Martha was distracted by all the preparation that had to be made, because that was necessary, because she was having a dinner, and it was necessary for her to make sure that everything's in order. So she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. In verse 41, it feels like I could hear Jesus saying, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but a few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Donc Marie, chers amis, te joigne en Jésus-Christ, ça que nous relè la paix intérieure. Et c'est paix ça en pile mon a cherché. Et on connaît ce cadeau qui plus précieux que vous êtes capable de joindre en Jésus-Christ. Ou connaît son bagage ou pas capable acheter dans pharmacie ou pas capable dans pharmacie pour dire me viens acheter 2 livres paix ou connaît pas capable dans market pour dire me viens acheter quelques unités de paix. Il y a pile monde cependant qui cherchait paix dans méditation transcendantale. Yo cherchait paix dans le yoga par exemple parce que pour eux-mêmes ils pensaient que lorsque ils vident tête yo c'est l'heure ça capable en paix. Mais Marie n'a pas cherché à vider tête, elle a cherché à remplir tête avec parole, bon Dieu. Parce que pour lui-même, c'est là, effectivement, elle était capable de jouer la paix. Mais cependant, Martha, nous venons dans un texte qui est fatigué et qui l'a reprendre sur lui. C'est comme si nous avons tapé tant de Martha qui a dit Marie, baide aux deux tapes, nos petites. Venez d'elle. Pour qu'il soit quitté dans le bagage, ça, pour contre moi. Donc, vous avez l'impression que
gon côté Marie tellement frustrée, alors Marthe tellement frustrée, li dirige réprimande li vers le Seigneur. Qui est-ce pour nous connaître Marthe après le réprimander? Jésus-Christ. Il dit Jésus, est-ce que ça pas dit ou rien? Ça veut dire est-ce qu'on pas gain sens de responsabilité tout? Est-ce que ça pas dit ou rien pour qu'on quitte là pour tout bagaille ça? Parce que lorsque Jésus a marché, Jésus-Christ marchait avec tout un cortège de monde avec lui. Donc je suppose que c'est pas dîner que et qui t'a pas le fait pour un seul monde, mais c'est dîner pour plusieurs monde. Et donc dans ce sens ça et il dit Jésus, mais pour qui ça ou pas aider moi? Et donc Marie pas comprendre, Marthe pas comprendre Marie. Parce que dans l'esprit Marthe, Marie était supposée plus actif. Dans l'esprit Marthe, Marie était supposée plus débrouillard. Dans l'esprit Marthe, Marie était supposée avoir plus sens de responsabilité. Dans l'esprit Marthe, Marie était supposée plus inquiet. Qu'on ait deux monde qui vivent la ville seulement dans l'inquiétude. Il y a des gens qui toujours font des bagailles qui troublent, font des bagailles, même font des sujets d'inquiétude. Vous avez l'impression qu'il y a des gens, il y a une loi qui est la loi de Murphy, qui dit que anything that can go wrong will go wrong and at the worst time. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vivent la vie à la lumière de loi ça. Ils ont toujours tant de bagailles, des bagailles qui vont arriver, donc des bagailles pour me faire, et donc ils n'ont pas gagné la paix. Et donc Jésus, il voulait rappeler à Marthe ce qui est nécessaire. Et c'est ça que le pral dit. Le pral dit dans Luc 10, 42, il dit que Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Quel que soit ça que Marthe a gagné, c'est des bagages qui sont capables de sortir de lui-même, mais cette paix intérieure que Marthe a gagné, pas gagné qui est capable de détacher de lui-même. Et donc, Marie, si vous voulez te connaître, qui est ça qui est important, qui est ça qui est essentiel dans le moment ça? Chers amis, dans la vie, si vous avez qui est important, si vous avez qui est essentiel, c'est Jésus-Christ. Si vous avez qui t'a doué, lorsque vous réfléchissez sur comment vous établir la priorité, peut-être priorité numéro un, vous avez supposé qui est capable de faire pour me sembler plus avec Jésus. Et c'est ça qui était priorité Marie. Et c'est ça qui fait justement Marie, tu as faire face et tu as recevoir cette promesse et cette prophétie de la part de Dieu. Mais cependant, lorsque vous appelez le texte, le texte que je fais sauter pour nous, dans Matthieu 26, verset 8 particulièrement, ce n'est pas seulement Marthe qui a un problème à Marie. Disciples, ils ont un problème à Marie. On nous lit dans Matthieu 26, verset 8, lorsque Marie vient, Marie prend parfum ça, elle casse, et puis elle met dans pied Jésus, et puis elle nettoie pied Jésus, et puis elle suit pied Jésus avec cheveux. Lorsque disciples voient ça, regardez ça, on dit dans Matthieu 26, verset 8. When the disciples saw that they were indignant, why this waste? They ask. Parce que pour eux-mêmes, ils sont pertes, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qui a passé. Pour eux-mêmes, ils sont gaspillage. Vous connaissez un peu le monde qui, lorsque vous regardez la dévotion à bon Dieu, vous dites qu'elle perte. Son gaspillage. Pour qu'ils soient dévoués la vie à bon Dieu comme ça. Est-ce que ce n'est pas excès de zèle ou fait? Il y a des gens qui peuvent me dire, Christ est mort pour l'église là déjà, ou pas besoin de mourir ou même. Pas de gens qui peuvent me dire ça. Et c'est exactement la situation, Marie. Marie, si vous voulez pas de gens qui comprennent, ni, dans sa dévotion à Christ, et donc il dit, quelle perte. Mais cependant, lorsque vous avez différents évangiles, vous avez que, il y a différentes perspectives qui présentent. Par exemple, lorsque vous avez dans Matthieu, Matthieu a dit que, les disciples s'indignèrent, c'est-à-dire que les disciples, yo, et ça indique ça estomaqué. Et lorsqu'on appelle dans Marc, il dit que quelques-uns s'indignèrent. Mais lorsqu'on appelle dans Jean, Jean dit que Judas était indigné. Alors, il y a deux mondes, c'est ça qui fait qu'il est capable de dire qu'il y a une contradiction dans les évangiles. Pour qui ça y a l'évangile dit les disciples s'indignèrent, pour qui ça y a l'évangile dit quelques-uns s'indignèrent, pour qui ça y a l'autre dit c'est Judas. Et de monde, c'est là qu'il y a des gens qui ont crié contradiction. Pour qui ça? Parce qu'en principe, Jean pral expliquer ce qui s'est passé, c'est Judas qui est indigné. Mais dans son indignation, il a influencé l'autre disciple. Et donc, dans ce sens-là, tous les disciples ont indigné. Parce que lorsque il a écrit les évangiles, il a écrit dans des perspectives différentes. Par exemple, si je dis à un monde, après le message, je dis à un monde,
et un monde qui était là et qui est capable de dire de ça que le temps dans le message. Il y a des monde qui t'a dit que bon, il était temps de que et prêché sous tel bagaille. C'est perspective pâle. Mais on connaît des monde par exemple moi monde qui a dormi là, c'est pas vrai. Et par exemple, il y a des monde qui capable tout simplement dire que alors parce que au passage Jésus qui ça m'était prêché et puis a tout simplement dit au sous cher elle t'a prêché sous qui ça vous prêché. Parce que seulement bah perspective pareil dans sens ça. Donc c'est ainsi que dame ça, si vous voulez, même genre avec David, si vous voulez quitter l'homme selon le cœur de Dieu, et donc nous en face d'une femme qui est une femme selon le cœur de Dieu. Pour qui ça? À cause de dévotion là, bon Dieu. Et c'est ça qui fait plus loin, je vais le comparer devant dévotion David et dévotion femme ça. Et pour nous, pour qui ça? Nous-mêmes, nous sommes capables de toucher le cœur de Dieu. Et si nous-mêmes, nous besoin de toucher le cœur de Dieu, si nous-mêmes, nous voulons conquérir le futur en toute confiance, et quel type de dévotion que nous avons supposé gagner? Parce que, chers amis, il est important pour nous connaître que gens que bon Dieu crée, nous. Bon Dieu fait de nous tous des adorateurs. Donc, nous adorons bagaille quand même. Nous prenons le vénérons bagaille quand même. Soit que nous adorons le Créateur qui est béni éternellement, soit que nous vénérons tête nous, ou bien nous vénérons l'autre bagaille. Mais quand tu as adoré, n'a pas adoré un bagage quand même. Et donc, puisque c'est comme ça, on assure nous que objet d'adoration nous est correct. On assure nous que objet de dévotion nous est, il vaut la peine. Et donc, Marie, il était fait de Jésus-Christ, objet de dévotion dans la vie pâle. Et donc, dans ce sens, les disciples n'ont pas été capables de comprendre Marie. Et lorsque nous avons lu dans 2 Samuel, nous voyons que David était fait l'objet d'une situation similaire. En nous lisant 2 Samuel 6, versets 14 à 16, et 2 Samuel 6, versets 20 à 22. On a commencé dans verset 14. « Wearing a linen of ephod, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all the Israel, and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets, as the ark of the Lord was entering the city of David. Michael, daughter of Saul, watched from the window. And when she saw, listen carefully, when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. And when David returned home to bless his household, Michael, daughter of Saul, came out to meet him and said, how the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked, in full view of the slaves, girls of his servant, as any vulgar fellow would do. Why would she say that? Dans le livre français, elle dit, pour qui ça wa a comporté comme quelqu'un de rien? Parce que Milkal pas capable de comprendre la dévotion de David à Dieu. Et c'est ça qui fait ça qu'arrivé que monde pas comprendre dévotion à bon Dieu. Et même si ça t'est arrivé pour Marie. David said to Michael, it was before the Lord who chose me rather than your father or anyone else from his house when he appointed me ruler over the Lord's people's Israel. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this. And I will be humiliated in my own eyes. C'est comme si David a dit, Michael, ou pourquoi on y est là? Ok, ça dérange au dévotion à bon Dieu, et bien, je le montre, wow, comment me dévouer à bon Dieu ça. Parce que des fois, nous avons même réponse ça par rapport à un monde qui est mal à l'aise, parce que nous avons cherché bon Dieu, parce que nous aimons bon Dieu. Parce que nous avons répondre à monde ça de la même manière. Dis-moi, pourquoi on est là? C'est qu'on y a, je le montre au dévotion à bon Dieu. Et c'est ça que Marie, justement, t'a fait. Mais non seulement nous voyons David, il t'a fait l'objet de critiques à cause de dévotion à bon Dieu, même Jésus, te fait l'objet de critiques à cause de dévotion là, bon Dieu. Et c'est ça que nous lisons dans Marc 20, verset 21, qui dit nous, then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard this, they went to take charge of him, for they said, he's out of his mind. Donc pour eux-mêmes, si boit ça, il est hors de sens. Pour qui ça? Parce que le manger, le rivel va venir. Parce que le bli est lunch. Parce que il était supposé gagner l'autre bagaille. Mais on n'a pas réalisé que Jésus-Christ, tout simplement, a focus sur papa. Et donc, même Jésus-Christ, si vous voulez, il était fait l'objet
de critique à cause de sa dévotion au Père. Chers amis, il est important pour que nous soyons capables de connaître que notre dévotion à bon Dieu, c'est une dévotion qui a besoin de faire sans réserve. C'est une dévotion qui a besoin de faire sans calcul. C'est une dévotion qui a besoin de faire sans second guessing. C'est une dévotion que nous avons besoin de faire tout simplement parce que Christ, lui-même, lorsque le débat est pour nous-mêmes, il a fait sans réserve. Lorsque Christ, lorsque le Père, lorsque dans la Trinité, on dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, qui est-ce qui peut aller pour nous? Il n'y a pas de calculé. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il aime réfléchir pour moi, qui ça prend le coup pour que je baille rédemption ça. Chers amis, bénédiction pour moi avant que Christ n'a pas calculé avant d'entrer dans le plan de rédemption ça. Et donc, lorsque nous lisons dans Acte 20, verset 23-24, et son texte qui est assez intéressant, lorsque Paul a dit lui-même, il dit qu'il n'a pas fait aucun cas de la ville, et comme si c'est ton bagage qui était précieux pour lui. Chers amis, lorsque nous réfléchissons sur conquérir le futur en toute confiance, nous devons réfléchir sur la déclaration Paul. La déclaration Paul dans Acte 20, 23-24, qui dit que « I consider my life worth nothing. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. » C'est comme si je pense à Paul qui a réfléchi, qui ça veut dire si je vais vivre 80 ans? Qui ça 80 ans représenté sur l'échelle de l'éternité? 80 ans, même si je vais vivre 90 ans, 90 ans pas même représenté une seconde sur l'échelle de l'éternité. Et donc, dans ce sens-là, Paul est capable de dire que Paul a vécu la ville en perspective de l'éternité. Et pour moi-même, une façon qu'il est capable de conquérir le futur en toute confiance, c'est qu'il y a une perspective sur l'éternité. Parce que si perspective-là seulement temporelle, si perspective-là c'est pour les choses de ce monde seulement, pas de moyen capable d'approcher le monde sans toute confiance. Pas de moyen capable de conquérir le futur en toute confiance. Et pour preuve, nous pourrions chaque monde là, mettre chaque monde là en défi, faire une nouvelle à travers le monde entier et faire remonter quand nous dormir sans problème. Faire une nouvelle qui passe, juste choisir un pays, virer map là, mettre doigt sur un pays, faire une nouvelle la donne et faire remonter quand nous dormir. Parce que le monde entier. Et c'est justement la raison ça qui fait Paul dit, si toute espérance nous c'est sous terre ça, nous c'est monde qui est malheureux sur la terre. Et donc Paul tape vivre dans perspective ça, une perspective de l'éternité. Et c'est une telle perspective qui justement capable de nous conquérir le futur en toute confiance. Lorsque je suis dans le séminaire, je suis un professeur qui est le Clay Jones. Clay Jones, comme lui dit que, puisque de toutes les façons, nous tous prenons mourir, et pas n'importe qui moyen, autant que nous mourir pour Christ. Puisque de toutes les façons, nous tous prenons mourir. Parce que la réalité statistique dit que yon moun sou yon mourir, et en fait, tout le monde l'a pral mourir. Parce que le jour que Adam t'a mangé fouillant, bon Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, depuis parole ça a prononcé dans le jardin d'Éden, moi-même avec nous condamné pour aller dans le monde jusqu'à ce qu'on joue mon vie dans le monde. C'est réalité. Hein? Donc, autant que nous vivons la vie, nous, dans une perspective d'éternité, parce que c'est le ça et le ça seulement, nous sommes capables de conquérir le futur. Et donc, Marie te comprend bagay ça. Marie, bagay ça, te clair sous lui-même. Et Marie pas décidé d'abandonner bagay ça. Et c'est ça que fait Jésus dit que elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Ça que Marie choisit, il n'y a personne monde qui est capable de retirer de lui-même. Maintenant, qui ça Marie t'a fait? Qui geste que Marie t'a fait? Chers amis, Marie, lorsque nous appelons dans Marc 14, verset 39, Marie offrit à bon Dieu, si vous voulez, ça le gagner de plus précieux. Ça que le gagner de plus précieux. C'est ça que justement lui offrit, bah, bon Dieu. Lorsque vous regardez ça que Marie fait, Marie est entrée dans la salle là. La Bible dit que lui prend un parfum. Un parfum de nard. Nard là, c'est qui ça? Nard là, son zeb. Son zeb qui poussait seulement en Inde. Il pas poussé en Israël. Donc, lorsque vous avez un parfum de nard, son gros bagage lié. Parce que c'est comme si nous avons son parfum de luxe. Ils ont estimé que parfum ça, son parfum qui coûtait, si vous voulez, quelques 300 deniers et qui était capable équivalent
à un an de salaire. Chers amis, ouais, imaginez dame ça qui prend un an de salaire et qui mette le nom au parfum et puis qui vient casser le sous-pied Jésus. Donc, vous comprenez la réaction disciples. Quelle perte. What a waste. Parce que vous ne comprenez pas ça. Parce que vous ne comprenez pas la dévotion d'âme ça à Jésus-Christ. Et ce qui n'est pas différent de David, que m'invitez-nous à lire ensemble avec moi dans 1 Chronique 21, versets 23 à 25, qui dit, Arona said to David, take it. Alors, contexte, ça, c'est qui ça? Contexte, ça, c'est David qui péchait contre bon Dieu parce qu'il décidait d'évaluer puissance militaire. Ok? Il décidait de faire un recensement pour que le capable voit combien d'hommes de troupes, combien de soldats qu'il gagne. Donc, David, besoin de comprendre pour qui ça m'a gagné toute bataille, ça. Vous avez un problème là? Vous avez un problème là, sorti? Pride. Je me connais toute bataille, ça. Chaque temps, dans la guerre, je gagne. Ok, je me connais combien de soldats je gagne. On va l'évaluer. Parce que David n'a pas réalisé que s'il a gagné une bataille, ça aussi grâce à Dieu. Il n'a pas réalisé, c'est purement par la grâce de Dieu. Mais qu'on a besoin d'évaluer puissance militaire. C'est ainsi qu'ils font au dénombrement. Mais depuis lorsque David a fait dénombrement, ça a qu'il a cassé. Soldat, il voyait faire dénombrement. Il dit David, si tu n'as pas fait ça. Et c'est ainsi que David fait, parce que il voulait estimer puissance militaire. Et c'est ainsi que lorsque David fin fait, et jugement bon Dieu tombé sous David. Et lorsque jugement ça a tombé, David pral offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais contexte texte là que m'invite nous à lire dans 1 Chronique 21 verset 23 25, il dit Arona said to David, take it, parce que David besoin chant. Take it, let my lord the king do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledges for the wood and the wheat for the grain offering. I will give all this. But David replied to him, listen, no, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours or sacrifice burnt offering that costs me nothing. Donc, dans sa dévotion à Dieu, David te voulait que s'il a pour fri bon Dieu un bagay, faut le coûter lui un bagay. Et c'est ça que, chers amis, lorsque m'a li parole ça, lorsque m'a gardé dévotion d'âme ça, lorsque m'a gardé dévotion David à bon Dieu, j'ai besoin d'évaluer dévotion à bon Dieu moi-même. Qui sacrifice que je prends pour bon Dieu? Qui risque que je prends pour bon Dieu? Service moi à bon Dieu, qui ça le coûte? Est-ce que service moi à bon Dieu coûte seulement vin passer une heure de temps, deux heures de temps l'église par semaine? Qui ça sacrifice moi à coûte pour bon Dieu? Et lorsque non seulement je garde le texte, je pense avec des amis, j'ai quelques amis qui sont dans les pays musulmans et qui décident d'accepter Jésus-Christ. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous perdez tout le bagage. Et vie sans cesse, chaque jour menacé, vous avez l'impression que chaque jour pour vous, son bagage qui est extrêmement précieux parce que vous êtes capable de dernier jour. Lorsque je regarde la dévotion mon Dieu, à mon Dieu, lorsque je regarde les gens mon Dieu, prend mon Dieu au sérieux, des fois, je me rends pour la vie par moi-même. Et c'est ça que je me dis tête, qui sa dévotion m'a coûté? Parce que dame, ça a été comprendre qui sa dévotion l'a coûté. Dame, ça a pas de penser que c'est ton big deal s'il est capable de prendre un an salaire pour le mettre dans un parfum, pour laguer le sous-pied Jésus. Ce n'est pas un rien pour lui-même. Et c'est ça que fait souvent, il dit, qu'il y a des gens qui ont pris tout le bagage, mais ils n'ont pas de valeur en rien. Dame, ça, c'est valeur qui est important pour lui. Ce n'est pas de prix parfum. Hein. Parce que parfum, ça a été dédié à bon Dieu. Et même Jean avec David, dans le contexte. Et donc, lorsque disciples ouais ça, disciples dit, what a waste. Et c'est ça que Judas Iscariot te ouais, parce que M. Degetan, ouais, cob, que tu es capable de faire ensemble avec bagay ça. Et donc, lorsque vous regardez l'attitude que vous avez gagné par rapport avec dame ça, et tristesse que vous causez dame ça, parce que dame ça, l'étape fait un bon geste pour Jésus-Christ, mais cependant, en pile, vous ne pas comprendre le geste ça. En pile, vous ne pas comprendre dévotion dame ça à Dieu. Et peut-être pour sauver tant, nous ne pouvons pas lire dans 1 Corinthiens, nous ne pouvons pas lire 2 Corinthiens 11, verset 26, côté Paul a dit lui-même tout, comment souvent l'icône fait l'objet, si vous voulez, de persécution de la part des frères, des faux frères. Et Zacharie 13, côté a dit que si vous demandez Marc ça, au côté le Genamel, qui côté le prend? Et puis la répondre, c'est la caille monde qui remet même pour Marc ça, justement. Et donc, dame ça, et si vous voulez, il te retrouve dans une situation côté personne pas de comprendre ni dans l'environnement. Pour qui ça? Il n'y a pas de dimension de dévotion ça, à bon Dieu. Et c'est ainsi que face à toute insulte, ça,
Parce que lorsque Judas a parlé, lorsque leurs disciples ont dit, what a waste, c'est devant dame, non, il n'y a pas de dame, non. Mais on connaît dame, n'a pas répondu à insulte, ça, yo. Et donc Jésus n'a pas répondu pour lui. Et donc lorsque Jésus répond pour lui, Jésus-Christ n'a pas démontré que geste ça que dame n'a fait, ce n'est pas un geste émotionnel, mais son geste spirituel. Geste ça que dame ça a fait, et son bagage qui comme téléguidé par le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que par feu ça, que dame ça répond sur Jésus-Christ, il fait en perspective de sépulture, en perspective de enterrement Jésus dans ce sens ça. Et donc, contrairement à tout ça, on était capable de penser, dame ça, il était accompli un geste extraordinaire. Mais cependant, je ne peux pas empêcher de me poser une question. Pour qui ça, personne ne peut réaliser que Jésus-Christ a pris le mourir sauf dame ça? J'ai l'impression que au niveau de dévotion que dame ça a été ensemble avec Jésus-Christ, et j'ai l'impression que plus dévotion nous totale avec bon Dieu, plus bon Dieu révélé là nous-mêmes pleinement. J'ai l'impression plus dévotion partielle avec bon Dieu, plus bon Dieu révélé là ou même partiellement. Et m'pas empêcher tête pour me penser à Genèse 18 verset 17 côté bon Dieu a dit est-ce que le capable cacher à Abraham ça va le faire. Tenez bien Genèse 18 verset 17 then the Lord said shall I hide from Abraham what I'm about to do. Texte ça pas dit ça mais c'est comme si m'a senti que tant que bon Dieu un sentiment de culpabilité là caili parce que le pas capable faire ça et que les amis ça il pas au courant à cause de dévotion à Abraham à bon Dieu ou pas senti qu'il y a trop de bagages qui passent dans la vie ou pas même au courant même parce que dévotion en partiel chers amis si nous voulons conquérir le futur en toute confiance dévotion a besoin total. Dévotion a besoin complète, comme c'était la dévotion de cette dame. Et c'est ça que bon Dieu fait promesse, on promesse solennel lorsqu'il dit, wap cherche, mais wap vende moi. Si et seulement si vous cherchez à tout cœur. Et donc nous avons ça comme responsabilité. Et donc à cause de dévotion exceptionnelle ça, que dame ça a été gagnée avec bon Dieu, à cause de offrande exceptionnelle ça, que dame ça a été fait, dame ça t'as pas fait l'objet d'une prophétie et d'une promesse. Et prophétie que nous voyons lorsque Jésus-Christ dit, dans Matthieu 26, verset 13, il dit, truly I tell you. Ça le dit, samdoula, c'est ça. C'est vrai, oui. Wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ça le dit, pas bon côté que l'évangile pas pral prêcher, pour que vous pas citer en mémoire de dame ça, ça que le fait. Et regardez ça qui a passé matin là. Pendant que je prêche l'évangile, je annonce mémoire dame ça, prophétie ça a pas accompli, kounia même. Depuis 2000 ans, prophétie ça l'a pas accompli pendant que je parle là. Je parle de Jésus-Christ, je parle de dévotion que nous besoin d'avoir avec Jésus-Christ, et je annonce en mémoire de cette femme, justement, ce qu'elle a fait. Donc, nous voyons dans Marie une vraie adoratrice, type d'adoratrice que bon Dieu, type d'adorateur que bon Dieu a cherché. Monde qui prêt pour adorer bon Dieu à tout cœur, à toute âme, à toute confiance, à toute force. Et donc, dans ce sens, ça, chers amis, Marie, she conquered the future with all confidence, with confidence. Et c'est exactement raison de dévotion qui fait que le capable conquérir le futur. Même j'ai avec David qui était capable de conquérir le futur en toute confiance. Pour me terminer, quittez m'expliquer nous une réalité dans la vie de David parce que j'ai besoin de camper vite dans ça avec David. Lorsque on le David a un élan de cœur, David dit que je ne suis pas capable moi-même habiter dans un caille qui fait un cèdre alors que l'arche de l'Alliance a dormi sous les tentes. David dit non, on va le bâtir en caille pour bon Dieu. Vous comprenez ça, bon Dieu dit David? Attendez bien. Bon Dieu dit David, qui est-ce qu'on va le faire? On va le bâtir en caille pour moi? Ah bon? Vous comprenez ça, on va le faire pour vous-même? On va le bâtir en dynastie pour vous. À cause de dévotion à Dieu. Donc, chers amis, vous n'avez pas besoin de peur à la gauche, mais bon Dieu.
Ou pas besoin peur faire de bon Dieu objet de dévotion. Ou pas besoin peur faire de bon Dieu centre la vie. Ou. Parce que Jésus-Christ l'y a testé. Il dit à bouche pâle. En vérité, me dit nous ça. Pas gagnon monde qui va quitter à cause de moi-même. Et à cause de la bonne nouvelle. Frère li, sœur li, tel li, etc. Pour que le pas recevoir 100 fois plus dans ce siècle-ci. C'est-à-dire que dans le temps ça. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc mes remèdes, mes propositions, Pam, pour tout le monde qui veut conquérir le futur, en toute confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.